Hey, yop tout le monde, c'est le Bouzeux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur cette chaîne, les gars. Je vous avoue que j'ai eu des petits soucis de maladie. J'ai eu un virus qui est venu, voilà, dans mon corps, sans me prévenir, comme le Covid, sauf que c'était pas le Covid. J'ai fait 8 tests. Tests antigéniques. Et impossible de savoir si c'est le Covid ou pas, mais en tout cas, les tests étaient négatifs. Moi, je pense que c'était plus une grosse bronchite, parce que vous savez, j'avais mal ici. Je toussais hyper gras. J'avais des glaires. Ils étaient même pas jaunes. Ils étaient même pas violets. Ils étaient d'une couleur vraiment kaki. Très bizarre, voilà, je vous épargne les détails. Enfin bref, les gars, dans tous les cas, je suis là, je suis en bonne santé, juste une voix un petit peu rauque, un petit peu cassée, parce que compliqué de la reprendre, cette putain de voix. Sachant qu'en plus de très bientôt, là, je dois enregistrer une musique, comme vous le savez, pour le Donation Gold du Z11, ça va arriver très vite. Il faut vraiment qu'elle revienne, cette voix. Du coup, on se retrouve sur Score Hero, vous vous rappelez de ce jeu. D'ailleurs, première vidéo Score Hero sans le maillot du Stade Rennais. Par contre, j'ai la casquette. Évidemment, je me dois d'avoir la casquette. J'en ai profité d'être malade pour finir le petit 3 étoiles de la vidéo d'avant. Comme vous le savez, on a rejoint Dortmund, un grand club, un club historique, un club avec des supporters magnifiques. Vous connaissez le mur jaune de Dortmund? C'est en fait, c'est un mur avec que des supporters, des ultras, ils sont à fond. Et je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie, non? Ceux qui l'ont fait, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais je crois que c'est vraiment incroyable. Du coup, j'en ai profité pour faire les 3 étoiles, sauf sur l'entraînement là, parce que le 3 étoiles ici, il est très très chiant. En gros, faut mettre lucarne droite, montant et but. Bon, le montant et but, à la rigueur, on peut le mettre là-dessus, par exemple, parce que ce but-là, il passe... Voilà, non, là, c'est pas un montant et but, mais c'est un beau petit but. Par contre, la lucarne droite, 2 fois, le problème, c'est qu'ici, tu vois, on est côté gauche. Et là, la lucarne droite, elle est pas facile parce que l'espace entre les joueurs est très réduit. Donc, tu vois, faudrait que je fasse un truc. Tu vois, là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Si on a qu'on la technique, n'hésite pas à me le dire. Pareil, pour là, j'ai toujours pas réussi parce que le plus de 50 yards, je crois que c'est plus de 50 mètres. Il y en a un qui m'avait dit une astuce, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Si on a qu'on l'astuce, n'hésitez pas. Mais bon, on est parti du coup pour le 101e match de ma carrière de footballeur. On est avec Dortmund. En vrai, à chaque saison, je fais preuve d'infidélité parce que je fais que de changer de club. J'arrive pas à rester 2 saisons dans le même club. Je sais pas pourquoi. Personne veut me garder. Peut-être parce qu'à chaque fois, je suis trop fort pour mon club et du coup, il y a un meilleur club qui... Ouais, je sais pas. Bref, de classe mondiale, Borussia Dortmund amène du 109 dans sa quête de trophée. Premier match de la saison. C'est parti. Ok, on a mon joueur là-bas qui fait l'appel. On peut tenter une petite passe là. Nickel. Et là, la lucarne droite. Et non. Et si, parce que là, hop, on rembobine, évidemment. Là, j'ai une belle lucarne droite qui m'attend. Let's go. En plus, là, c'est la reprise des matchs d'entraînement dans les clubs, c'est ça? J'avais cru voir ça, là. Marseille qui avait gagné contre Caen, un truc comme ça. Rennes qui a perdu, je crois, contre un vieux club. Je sais plus c'est qui. Fribourg, je crois. Bref, inscrivez 2 buts plus de 20 yards. Marquez 2 buts avec votre héros. Ok, let's go. Le plus de 20 yards, est-ce qu'on peut confirmer que c'est plus de 20 mètres en mettant un but de loin, les gars? Je pense qu'il y a moyen. Le plus de 20 yards, on va le faire sur le deuxième. Je crois que c'est plus probable. Quoique ici, si je le mets là, on est à plus de 20 yards, non? La surface de réparation, c'est combien de mètres, les gars? Je pense qu'on est un peu plus. Ouais, parce que là, ça va être compliqué de faire plus de 20 yards. Mais je pense que je suis à plus. Bon, bah là, peut-être on va la remettre là. Est-ce que là, je l'ai plus? Ah, je l'ai toujours pas. Mais ça fait combien de surface? Ça fait plus de 20 mètres, non? Le point de pénalty, je sais qu'il est à 11 mètres. Donc pour moi, c'est sûr. On va tenter de la mettre ici, là. Et là, grosse frappe. Pied gauche. Ok. Bon, le but est pas spectaculaire, pourtant c'était marqué, mais ça rentre. Et ensuite, le deuxième but, du coup, on s'en fout, faut juste qu'il soit avec le héros. On va faire une petite tête second poteau pavard. Oh bâtard, il est très fort. Oh bâtard, on va la mettre plutôt là. Tranquillement, poteau rentrant en plus, normalement je l'ai. Let's go, c'est bon, on valide le 3 étoiles pour ce premier match, ça fait plaisir. Allez, deuxième match. Du coup, aujourd'hui, vous le savez, on fait toute la première mi-saison. On va essayer de voir ce qu'on vaut avec Dortmund. Bouzy annonce Borussia Dortmund vainqueur de la coupe. Ah bah, ce serait temps, une fois dans ma vie, de gagner une coupe, putain. À chaque fois, ça passe pas loin là en ce moment, mais c'est quand même compliqué. Qui c'est que je pourrais la mettre là? Faut monter sur la balle. Faut montrer qu'on est motivé pour ce début de saison, s'il vous plaît. Je vais la mettre un peu plus derrière, je pense que ça passera mieux. Voilà, nickel. Le problème, c'est que du coup, ça coupe un peu l'action. Là, je la mets ici en profondeur. Et là, oh, allez, let's go. Là, j'ai un beau but de la tête. Second poteau ici. Nickel. Ils veulent que je fasse une reprise de volée dans le petit filet. Est-ce qu'on la mettrait pas à lui pour qu'il la recentre direct? Là. Et la reprise. Ah ouais, c'est dur, hein. J'arrive pas à me setup une reprise de volée, les gars. Je veux me setup une reprise de volée, les gars. À tout prix. Et il veut mettre la tête. En fait, faut que j'arrive à faire en sorte que le ballon soit moins haut pour qu'il apprenne du pied. Genre comme ça. C'est quoi ce jeu, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Expliquez-moi! Là, j'ai peur que le mec l'arrête forcément, en fait. Non, par contre, tu vas pas m'arrêter ça, mec. Impossible. Voilà! Oh, le petit filet, j'ai oublié!
C'est pas grave, 2 étoiles, c'est très très bien les gars, c'est très très bien. Je referai ça par la suite, y a pas de problème. 3e match en avant pour le spectacle. L'entraîneur pense que les nouveaux joueurs parviendront à leur faire décrocher la victoire avec style. On joue contre Stuttgart, 0-0, 61e minute. Ok, oula, ça sprint vers l'avant. Là, il veut faire la passe alors qu'il aurait pu encore aller tout droit. Ok, on va la mettre sur le côté gauche juste ici. Ok, on va transversal. On fait... Oui, d'accord. Il veut direct la repasser. Il est où mon joueur? Il est là-bas. On peut lui la mettre en vrai. Transversal, retransversal. Tac. Et là... Oh, le petit piqué ici, regardez. Oh là là, mais... Non, s'il te plaît. Oh là là, c'est magnifique. Et là, est-ce qu'on peut tenter un lob? On peut pas. On peut pas. Putain, faudrait qu'il y ait une petite touche, les gars, dans Score Hero, où t'appuies dessus et quand tu tires en même temps, ça fait un lob. Ça pourrait être vachement stylé pour les actions comme ça. Non? Ou un petit piqué, tu vois, ce serait vraiment pas piqué des hannetons, quoi. Ok, je suis pas drôle. Enfin, les gars, je suis trop content de refaire des vidéos, les gars, je peux pas vous mentir. Ok. Ici, c'est très bien. Et là, grosse frappe pied gauche ou pas? Putain, pied gauche, je pense qu'il l'arrête, là. Oh, elle était magnifique! Elle était magnifique! Le goal, il est encore par terre. Oui, le temps qu'il met à se relever. 2 passes D. Oh bah du coup, je l'ai fait! Incroyable! J'ai fait la 2e passe D grâce à une barre transversale. Je trouve ça relativement beau. 2 étoiles, on prend, ça fait plaisir. 4e match, je suis prêt à gagner. Bouzy se sent prêt à gagner des titres. C'est vrai que je crois qu'avec Bouzy, j'ai beau être à chaque fois un joueur exceptionnel, un joueur, le meilleur joueur de l'équipe. Pas de titre, aucun titre. On joue contre Grutter Furth. Ok, on perd 1-0, 78e minute. On construit une action du milieu de terrain environ. Ok. Ok, là-bas, je l'ai vu. Même s'il est à l'ombre, je l'ai vu. Tac. Bah là, c'est encore mieux parce que je peux la mettre ici. Je m'ouvre le but et la grosse frappe côté droit, bam. Poteau et but, tirer lucarne droite. Ah, ils veulent un poteau et but, lucarne droite. Ah, est-ce qu'on se fait un 3 étoiles, les gars? Allez, c'est juste pour vous. C'est vraiment que pour vous. Il faudrait refaire la même chose parce que là, c'était juste parfait. Je me suis vraiment ouvert le but à moi. Il n'y a personne qui me faisait chier. Voilà, comme ça. Et là, on va essayer de mettre un poteau et but. Let's go, je l'ai. On l'a entendu, hein? On l'a entendu, ce bruit de poteau. Bien sûr. Allez, 3 étoiles. Le petit entraînement. En phase de récupération, blessé, Bouzy s'entraîne doucement. Comment ça, je suis blessé, les gars? Je vais bien, c'est juste que j'ai une petite bronchite, mais ça va mieux, là, les gars. Oh, tranquille, je veux jouer, moi. Ok, on se fait une petite passe avec le petit mur, comme ça. Et là, on va devoir faire une petite passe. Derrière le mur, comme ça, c'est parfait, je m'ouvre le but, et là, grosse frappe. Oh, bah là, c'est parfait, là. Quoi? Il a repoussé ça? Bah, c'est quoi, ce gardien? C'est qui le gardien d'Antwood, les gars? Ok, c'est pas grave. Je pense que c'était la mauvaise astuce. Okay, là, par contre, il me gêne beaucoup. Ouais, je me la mets un peu loin. Qu'est-ce qu'il va faire, là, l'attaquant? Ah, je peux la refaire une passe. Regarde le gardien. Oh, mais non! Ah, mais le gardien, il a... Ah, mais non, je croyais que c'était le gardien, ça, mais non. Le gardien, il est là. Oh! Attendez, je peux la mettre comme ça? En extérieur du pied, comme ça. Quoi? Mais c'est incroyable. Le gardien, tout à l'heure, il m'arrête un truc de fou, et là, il arrête pas ça. Ah, je l'ai surpris, en fait. Il faut le surprendre, ce gardien. Comme ça. Et là, oh, bâtard. Mais il y a trop de défenseurs, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, si. Ils veulent que je tire ici. Putain, elle est incroyable. Dommage, j'ai pas la transversale. Dommage, j'ai pas la tête. Mais dans tous les cas, l'entraînement, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est se remettre en forme. Là, c'est bon. 5e match de la saison. On joue contre le FC Union Berlin. Remplaçant, surprise. Le kiné ne veut pas prendre le risque de titulariser Bouzy. Oh. En fait, là, c'est ma première blessure depuis tout le début de ma carrière, en fait. Donc, ça va faire bizarre à la reprise, on verra bien. Ce qu'il faut, c'est pas se faire oublier. On a la 80e minute, on perd 2-0. Là, du coup, on peut marquer les esprits en revenant grâce à Bouzy 2-2. Et là, les gens se diront, sans Bouzy, on est personne. Et let's go, quoi. C'est aussi permettre de se rendre compte que sans moi, l'équipe, ouais, l'équipe n'est pas grand-chose. Le mec abuse un peu. La grosse transversale. Qu'est-ce que c'est? Tu crois qu'il peut marquer comme ça ou pas? Il fallait que je fasse 2 passes D. Attends, ok. 2 passes D avec le héros et 2 buts de la tête. Ok. J'ai envie de tenter, les gars. J'aime le risque. 2 passes D avec le héros et but de la tête. Je pense que c'est carrément possible. Là, je me set up un centre. Non mais, oh, Bouzy, c'est pas parce que tu reviens de blessure que tranquille. C'est censé être facile, ça. C'est parfait. Faut montrer que t'es là. Voilà, let's go. Ok. J'ai une passe D, j'ai un but de la tête, et du coup, il faut un autre but de la tête avec une autre passe D. Oh là 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 là. Mais je crois que là, sur celui-là, c'est peut-être plus simple, parce que là, je peux set up un centre facilement. Sur lui-là. Ouais, il est entouré de 4 mecs. Oui, je l'ai. Et là, passe D, retête, et le 3 étoiles. Ouh, je dab.
Parfait, parfait. Mais du coup, on est revenu à 2-2, c'est ça hein. On est revenu à 2-2, donc c'est cool. Sixième match, la coupe vous appelle, mais Bouzy est encore cloué sur le banc. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a l'entraîneur, il m'aime pas. Bayer 0-4, coupe allemande 4e tour. Là, faut vraiment qu'on se qualifie, les gars. Mais je suis rentré 75e minute, 0-0. C'est l'occasion de marquer. Regardez, Roberto Carlos. Brésil 1998, non je sais plus c'était quelle année, qui met un coup franc de malade mental. Ah, comment ça le gardien il l'arrête, c'est impossible. Écoutez-moi bien, c'est impossible. Je crois que je suis obligé de la passer les gars. Je ne peux pas marquer, à moins que... Non le gardien est beaucoup trop fort les gars, à n'importe quel côté il est présent. Wesh, mais c'est comment je vais faire pour trouver le trou? Je sais pas. C'est comme ma première fois, là, j'ai l'impression. J'ai du mal à savoir où aller. Oh, nickel. J'ai réussi à trouver le joueur. Et là, je la mets facilement. Ils veulent que je mette un but sur coup franc, poteau et but. Mais attendez, il faut le mettre où? Attendez, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que là, c'est un défi qui est un beau défi pour ma vie. Mais là, tu voyais, lui, là, le joueur dans le mur à droite, il a l'air de pas savoir ce qu'il veut faire et je pense que je peux le surprendre en tirant dessus. Bah j'ai le poteau et but, hein. Mais j'ai pas le but sur coup franc. Ok, au moins j'ai compris où faut le mettre. Ok, bon là il va falloir que j'achète des vies les gars. Mais il y a une astuce, hein, pour ceux qui veulent pas mettre d'argent les gars, n'hésitez pas à changer l'heure de votre téléphone en mode avion. Je crois qu'à ce qui paraît ça marche pour récupérer des vies. Oh, oh non mais elle peut rentrer avec de la chance si elle... En fait je veux qu'elle fasse poteau, qu'elle tape dans le dos du joueur qui est là-bas, qui est au but, et but après. Je pense que c'est ça qu'ils veulent nous faire maintenant. Oh je l'ai. Je l'ai le poteau rentrant. Oui ! Il est magnifique, les gars, il est magnifique. Mais vous savez que moi, quand je jouais en U13 à l'époque, c'était moi qui tirais les coups francs. Voilà, petite anecdote. Titulaire, Bouzy fait son retour dans le 11 de départ. Ah bah enfin, les gars, on joue contre Bochum 1848, c'est parti. Grosse construction des 6 mètres de la surface, c'est parti. J'aime bien, moi, ce genre de défi. Grosse transversale là-bas. Les joueurs sont totalement démarqués. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on la met à Bouzy ? Non, on va la mettre à lui, là. Voilà, nickel. Et là, on peut la remettre à lui. Qu'on va remettre à lui. Et là... Putain, mais Bouzy, démarque-toi! Démarque-toi! Je peux pas te la passer, là! Ou fais un appel stylé. Oh, il l'a! Allez, allez, allez! Coco, coco, coco! Oui! Et là... Ah, mais là, il faut vraiment que je la passe à Bouzy. Je pense que... Oh, let's go! Ah, quoi? Il m'a arrêté ça comme ça? C'est quoi, ce gardien? Voilà, je vais faire. Autre héros à l'intérieur de la surface. Bon, les gars, 3 étoiles. J'ai bien fait de la passer à Bouzy, sinon j'aurais eu 2 étoiles. Donc, non, j'aurais même eu une étoile. Ah ouais, putain, j'ai bien fait de la passer à Bouzy. Ok, on joue contre le FC Köln. De retour en pleine forme. Suite au test, Bouzy ne semble plus gêné par sa blessure. Et ben voilà. Ok, Bouzy qui fait un espèce d'appel là. Grosse reprise. Oh, ça, c'est des reprises, mais vraiment. Putain, mais il y a 2 mecs. Il y a 3 goals, les gars. Il y a 3 goals. Oh. 3 goals ou pas? Bon, bah les couilles. Ok, un partout. Il m'a fait un piqué de fou là en face. Un partout, 48ème minute, les gars. Merde, oh non! Je croyais que c'était fini. Ok, faut que je reset up ça. Ok, j'ai remis la même, les gars, il n'y a pas de problème. Le défenseur, il est dans les buts, mais il sert à rien. Ouais, mais là, c'est chiant. Pourquoi tu me l'arrêtes comme ça aussi facilement? Là, il faut vraiment monter sur le ballon, en fait. Voilà, nickel. Et là, pour Bouzy. Pourquoi tu veux faire ça? Il n'y a personne en plus, je suis coincé là. Bah les gars, là, je fais comment? Oh, je l'ai quand même. Oh, let's go. Pour lui. Et la grosse frappe pied gauche. Il est pour vous celui-là, les gars. Il est magnifique. Lucarne gauche, lucarne droite. On alterne, on régale. C'est pour tout le monde. Ok, deux, on est devant. 88ème minute. On peut faire le break. On peut carrément les assassiner, en fait, j'ai l'impression. C'est ce qu'on va faire. Il est pas en jeu. Il est pas en jeu grâce à défenseur là-bas. Donc là, je vais me permettre de la mettre bien devant ici. Par contre, ce sera pas Bouzy. Est-ce que Bouzy est là-bas? Oh. Oh là, magnifique. Dans les pieds, putain. Dans les pieds. Et là, on assure un but facile. Grâce à lui. Oh, la tête, elle est magnifique. Lucarne gauche. Gauche, droite, gauche. Deux buts avec Oreo. Ah, ok, merde. Bon, on le saura pour la prochaine fois pour les 3 étoiles. Mais là, j'avoue que je vais pas recommencer. Il y a 3 buts, c'est assez long. Dans tous les cas, les gars, je pense que là, je vous ai régalé. C'est tout. Il nous reste combien de matchs? Il nous en reste 2. Il faut qu'on régale hein, pour cette mi-saison. Les ferveurs des supporters. Borussia Dortmund propose à nouveau un football plaisant. Oh là là, ça fait plaisir. On joue contre Stuttgart, c'est parti. On est d'accord que Haaland, qui joue à Dortmund, est parti à Manchester City, là, les gars, cet été. On est d'accord. Parce que j'ai peur de penser une connerie, mais si, je crois que c'est vrai. Là, on va la mettre là. Bouzy.
Okay, ils font un gros pressing en face. Ils font un gros pressing, ils vont laisser des trous. On le sait. La droite, c'est vraiment free. Voilà, nickel. Et là, on va set up quoi? Une passe ou une petite passe pour Bouzy, peut-être? Voilà, grosse tête. Oh, putain, mais je peux pas la mettre, second poteau. J'ai peur que là, il me l'arrête. Putain, bâtard, je suis coincé. Second poteau, il me l'arrête, c'est sûr. Ah non. Mais non, mais c'est quoi ce gardien nul à chier? GG. Ok. 2-1, ils sont repassés devant. 87e minute. C'est le moment de revenir. Il faut, on est obligé. On va pas jouer trop vers l'avant. On va construire ici. Oh, le gros tac de bâtard. C'est quoi ce bâtard-là? Il est pas hors jeu, toi, je le sais. Nickel. Et là, pour Bouzy, je pense que c'est pas mal ici, là. Oh, elle était presque magnifique. Je sais pas comment je vais le faire passer. En hauteur, hein? Ouais, en hauteur, je suis obligé. Et là, on va la mettre ici. C'est parfait. 2-2. Deux buts avec votre héros. Poteau et but, je l'ai pas fait, malheureusement. Mais c'est très bien. On se contente de ça. J'ai l'impression qu'avec Dortmund, c'est pas forcément simple, les matchs, là. Quand est-ce que je vais avoir une équipe? Je le dis, je le répète, une équipe sur laquelle je vais chier sur tout le monde. Putain. En plus, moi, je vois vos screenshots sur Twitter, sur Insta. Vous m'envoyez vos équipes, vos propositions. Barcelone, Bayern de Munich, Real Madrid. Je suis là. Moi, je suis avec Dortmund. Bon, ok, c'est quand même pas mal. Mais bon, j'ai l'impression que j'ai du mal à gagner des matchs, quoi. Ok, dernier match de cette vidéo. Dernier match de cette première partie de saison. Confrontation pour la coupe. Une place en quart de finale est en jeu, les gars. Ouh. Ok, on le sait très bien. La coupe, c'est importante parce que ce serait, pourquoi pas, mon premier titre avec mon joueur. Ce but! Depuis le temps que je voulais le mettre, ce but, il est incroyable! Ça existait en vrai, ça, mais c'est rare. Regardez, tête, poteau, goal. J'adore. Et les gars, quoi de mieux de finir cette vidéo par un but comme ça? Un but gag. Non, mais c'est incroyable. Eh ben, merci, mon ref. Merci, gardien. Bref, je vais déballer la dernière coupe de cheveux. Qu'est-ce donc la dernière coupe de cheveux? Oh, mais c'est exactement la coupe que j'ai là. Regardez. Ah, moi, c'est version très moche, mais c'est un peu le même style. J'ai un chignon. Ok, incroyable. Let's go, je prends. Et en termes de couleur, rose comme ça. Putain, c'est vachement stylé. Avec une petite beubare comme ça, là. Oh, je suis mimes. Oh, je suis trop mimes. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort, les gars. Merci à tous de suivre mon aventure sur cette chaîne YouTube. Je vous kiffe. Merci beaucoup. Ciao, les refs.